Et on reste plus qu'à trouver le chef, mais non ? C'est ça. Bonjour à tous, dans cet épisode, les équipes de l'entreprise Via l'Horloge terminent les lissages des enduits, donc des murs sur les plaques fermacelles. Donc les enduits SEMA, les enduits naturels, ils terminent avec ça, ils repassent un petit peu derrière nous les endroits où il y a des ratés, et puis ensuite ils enchaînent avec les peintures, impressions et après les couleurs. Plus le chantier avance et plus ta spatule est grande. Comment ? J'ai plus le chantier avance et plus ta spatule est grande. Ben ouais, tu vois. Là, au niveau des couloirs, ils ont fait tous les enduits. Donc les enduits SEMA, naturels. Et il reste l'étape du ponçage avant la peinture d'impression. Oléo ! Oléo, primaire. On pourrait faire commencer une chanson avec ça. Oléo, oléo. Ah ouais, voilà. Livraison spéciale. Donc ce matin, on a Vincent qui nous livre la peinture d'impression, le primaire, de chez Maestria. Donc, peinture biosourcie à base d'huile végétale, on aura l'occasion de vous en reparler. Voilà, on a tout pour faire les impressions des chambres. Donc voilà, c'est une peinture biosourcée, alors c'est le primaire. Donc c'est une peinture d'impression qui est à base d'huile végétale. Donc on est sur du fabriqué en France, c'est fabriqué à côté de Toulouse. Voilà, et avec les huiles végétales, et ben ils ont obtenu l'écolabel. Donc voilà, ça reste dans la lignée de ce qu'on cherche à faire pour le château, en termes de matériaux de construction utilisés. Redis-moi ton truc. Je vous présente Manu, spécialiste peinture. Redis-moi le métamérisme. C'est quoi le métamérisme? C'est la façon dont tu regardes, la langue dont tu regardes la peinture. Tu regardes, soit tu regardes de face, de travers, d'en haut. Ça change la couleur en fait. Voilà, vous aurez appris quelque alors, chose. Celui-là, moi ça reste sobre. Hein, franchement, c'est bien. Hein. Et le 256, c'est quoi? Lui à côté, je vais chercher les autres. Bon, là aujourd'hui, on fait les premiers essais de peinture qu'on a sélectionné avec notre décorateur Patrick Julio. Donc voilà, c'est pour se rendre compte un petit peu des différents décors et puis essayer de valider certaines choses avant de vous les dévoiler. Il y a encore des choses qui vont être modifiées par la suite. Donc c'est un premier essai pour se rendre compte en situation des différentes ambiances. C'est là, hein. Et il y a un mur qui lui est putain, je l'ai pas parce qu'avec mon impression je l'ai pas lancé. Tu l'as ton c'est oui. La chambre 1. Ah, okay. Ouais, chambre 1 parce que toi t'as les trucs en t'aimes, rose. T'aimes le boulot, c'est le. Alors, on va.
reproduit ça, qui reprend ça, ça va. Et 315, il est avec quoi? Là, je ne vois pas, je sais plus. Mais je l'ai fait, je l'ai mis quelque part, mais je sais plus. On va le voir après. 344, mais ça, donc on est sur les boulots 256, on a vu. Ouais, c'est ça. Voilà, dans les chambres, les peintures d'impression ont été faites. Et puis derrière, il y a une petite étape de retouche, les dernières petites finitions. Donc là, cette fois-ci, c'est un enduit qui est repassé et que les peintres ont teinté, en fait, simplement pour repérer les zones qui ont été rattrapées et puis pas pour revenir à nouveau dessus par la suite. Donc voilà, les petits rattrapages sont teintés partout, mais il y a déjà la peinture d'impression en dessous, donc ça après directement peinture définitive. Ça y est, toutes les impressions en blanc sont faites, il y a juste un panneau de couleur en face qui restera à faire, et les têtes de lit qui sont pas en peinture. Donc voilà, dans les différentes chambres, là ici pareil, les impressions sont faites, les plafonds aussi, tout est prêt. Au niveau des couloirs, même chose, tout le lissage avec les enduits semeurs a été fait. Là on est dans la chambre d'à côté, les impressions sont faites au plafond, partout, sauf à chaque fois la tête de lit qui n'est pas en peinture, mais tout a été préparé, il n'y aurait plus qu'à passer à la couleur. Bon, à l'intérieur, les enduits et la peinture avancent bien. Nous, pendant ce temps-là, on fait un petit passage à Paris. On a plein de rendez-vous, notamment pour le restaurant. On doit aller voir un peu de vaisselle. On a également rendez-vous avec Charbel et Frédéric de chez Métro. C'est eux qui nous font la conception de la cuisine dans laquelle je me trouve, la future cuisine. Et on a également rendez-vous avec Enodis, qui est le fabricant de certains ustensiles de cuisine, notamment le piano de cuisson, qui sera juste derrière moi, certains fours, etc. Voilà, plein de matériel à aller voir. Le piano, on l'a déjà commandé, donc on va voir celui qu'ils nous ont fabriqué pour nous. Et puis juste avant, on voulait vous montrer quelques images. Quelques années en arrière, on avait rencontré Kenny et Gwen, qui travaillent pour le groupement hôtelier dans lequel on a adhéré, donc Territoria. Et on monte à Paris au siège pour discuter avec eux de toute la partie recrutement. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec une association d'hôteliers. En fait, de part, on va jusqu'au grand, ça fait ici. Ah oui, c'est grand. Là, jusqu'au bizarre. Ah oui, c'est pas un spectacle qu'on peut voir, etc. Et il y a une autre source qui n'a rien à voir, qui est derrière, en fait, le château. Ok. Non, et puis là, c'est pas trop mis en valeur, mais déjà vous seriez venu il y a un mois, ouais. c'était horrible. Quoi. La végétation. Vous avez tout compris parce que vous avez compris qu'il faut devenir une destination en fait. Il ne faut pas être qu'un hôtel. Il faut être une destination où les gens de la ville viennent parce qu'il y a du miel, parce qu'ils viennent de barater. Ouais. Il y a des gens qui viennent pour le séminaire, pour leur mariage de leur fille, le baptême de leur petit-fils. Bah, ce qu'on m'a proposé sur ce projet, en fait, c'est une offre qui n'existe pas tout dans à fait, la région. Tout à fait. On va regarder un petit peu cet esprit.
peu de Sirac. Voilà, qui est tout ce qui peut être accessoirisé dans ce que vous recherchez. Moins de mise en scène pour YouTube quand même. Ouais. Allez, si vous voulez. Donc là, nous sommes vraiment dans la partie art de la table. Vous allez voir à la fois des gammes que nous achetons chez les fournisseurs fûts, mais aussi des gammes que nous offrons pour nous, ce qui s'appelle notre marque Spectre. En fait. Donc on va voir un peu tout. Là, on est vraiment dans la partie assiette. De ce côté-là, tout ce qui est en exclusivité ou en MDP. Et sur l'autre partie, des fournisseurs. Alors, vous avez un peu d'anglais avec Dodson et Churchill, du français avec Revol, du belge avec Cerax, principalement. Et un peu de Médard de Noblat aussi par là-bas. Mais, je crois qu'on a parlé de Médard de Noblat. Et de Revol. Ah, c'est pas mal ça. Bon, y a une plate également. D'accord. Et qui vont avoir la particularité d'avoir un bord relevé lorsque je vous la mets. Okay. On n'est pas un durant absolu. On est sur un côté organique. Le choix de la vaisselle, c'est. Ah, c'est quelque chose d'assez particulier. On est loin du bleu de travail. Là, on est très loin du bleu de travail. Ça va tout dire un peu plus concret là. Ah bah là d'un seul coup c'est beaucoup plus concret, on n'est plus du tout dans le gros œuvre, la création. Là on est dans les choix de finition, le détail. On se sent comment ? Ça fait bizarre et en même temps il y a beaucoup de stress parce qu'on se dit que quand on choisit un verre c'est qu'on n'est pas très loin de l'ouverture. Donc là la pression monte quoi. Budget sur la grande assiette en 28 cm, hein, c'est la seule que je vous donne pour avoir une idée, on sera 12 euros. Hein, je vous dis, une lame correcte. La seule chose que je vous demanderais si vous prenez ce couteau, n'attendez pas qu'il taille plus pour l'aiguiser. Ce sera des pièces que vous pouvez, si vous faites du service à table, dans du mauviel par exemple, si vous avez un plat particulier, vous posez le poêlon sur la table. Donc ça, on le voit de plus en plus aussi. La petite sortie chez Enodis, donc le fabricant du piano et puis des différents ustensiles de cuisine, notamment les fours. Donc voilà, on est là pour essayer du matériel, voir celui qu'on a déjà acheté et puis par la même occasion prendre un petit apéritif et manger des choses qui sont cuisinées avec le matériel. Avec ce bain d'eau. Les trois paniers que vous voyez là peuvent vous servir pour des pâtes. En termes de nettoyage, c'est vrai que c'est très très simple à nettoyer. Évidemment, il faudra un petit peu de temps à autre frotter sur les plaques. Ça, c'est logique. C'est tous les pianos du monde qui sont les mêmes. C'est quoi, monsieur ? Là, c'est un rince-cuillère, là, en fin de compte. L'eau va être mise dedans, les chefs mettent leur cuillère, je rince, je goûte. J'assaisonne, je modifie, je remets dedans. Idem, okay, exactement pour une évacuation, de temps à autre, pour changer l'eau. Allez-y, vous pouvez tirer fort, parce qu'en fait, il y a double joint dessus. Oh, allez-y. Voilà. Vous avez un double joint dessus. Que sont basse température aussi. Et les vagues, c'est ça. Ouais, les vagues, toujours le même système que les trois. Alors. Que les trois. Pour le devant, sur le devant, vous pouvez régler. J'ai pas le panneau de contrôle est là. Là, vous avez l'eau, en fait. Et là, vous avez la température au degré près. Donc les inductions, c'est pareil. On enlève, tac, tout s'éteint. Ok, elles sont indépendantes, on est d'accord, de chaque côté. Exactement. Et donc c'est instantané. C'est puissant que du gaz. Vous avez 9 kg par plaque, c'est hyper puissant. C'est instantané. L'avantage, c'est que quand le chef il enlèvera la casserole, vous n'avez aucune consommation. Et par rapport à un piano à gaz électrique, on dit en moyenne, c'est 30% d'utilisation de gaz en moins. Ouais. Enfin, d'énergie, on va dire. D'énergie en moins. Parce que sinon, il laisse le feu allumé. Et l'avantage que vous aurez aussi, comme c'est un central, c'est que vous pourrez travailler des deux côtés. Nous, c'est notre métier. Et sinon, on voit avec l'installateur, quand on arrive chez le client, ça, c'est une mesure hyper importante à prendre. On ne peut pas arriver comme ça et on dit, on passe par la porte. Donc, nous, on doit aller sur le site. Trop lourd. Avec le client pour voir par où on peut le passer ce jour-là. Mais généralement, c'est avec un chariot de levage. On vous parlait donc des fours. Nous, on a ces fours-là.
Max Pro, ConvoTherm. Comme disait Michael tout à l'heure, gros avantage de ces fours-là, nous consommons 20 fois moins d'eau que les autres. Spécialement ce four-là, celui-là, donc il y a fumoir. D'accord. C'est pas grave. On remettra vite fait à cuire. Vous voyez, le fumoir est en dessous. Oui, d'accord. C'est une résistance. Okay. Dans cette résistance, on va insérer une cassette en inox. Dans cette cassette, on aura mis des galets de bois compressé avec des essences différentes. En fin de compte, selon, on va dire, le goût ou le parfum que vous désirez. Et haute condensation sur ces fours. Tu as parlé donc tu as parlé de la fumée qui va sortir une fois qu'on ouvre après. Voilà. Elle sera directement aspirée. C'est parmi les plus simples à nettoyer. Merci pour votre confiance. Merci. Et pour ce beau projet. Ça fait combien de temps déjà maintenant qu'il est en route? 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est en route. Reste plus qu'à trouver le chef maintenant. C'est ça. Qui travaille avec ce magnifique produit. Et merci encore à Charbel. Frédéric à Charbel pour votre collaboration. Bon, ça y est, on a terminé chez Enodis. Donc maintenant, dernier rendez-vous de la journée. On part dans le centre de Paris. On a rendez-vous au siège du groupement hôtelier dans lequel on a adhéré, donc qui s'appelle Territoria et qui est présidé par notamment Alain Ducasse, que vous connaissez peut-être. On a rendez-vous avec eux pour évoquer notamment la mise en place des équipes et en particulier le restaurant. C'est la plaque ? Yes. Ah. Et on n'a pas prévu non plus l'économie en termes d'achat de matières premières, de ce que ça va apporter. Ça, c'est le plan que vous m'avez transmis, en effet. J'aime beaucoup le concept. Ça, c'est la partie bar. Exactement, bar et restaurant. On est de retour chez Rouchy ce matin. Choix des équipements de la salle de bain, tout ce qui est robinetterie, les parois de douche, etc. Voilà, on a presque tout choisi, il reste encore quelques détails à peaufiner. On vous montrera tout ça dès qu'on les a reçus et qu'on commencera à les installer bien évidemment. D'ici là, un grand merci à toute la communauté et on vous souhaite à tous un joyeux Noël. Rendez-vous en 2024.